Endless Eleven peut être considéré comme un concert de 11 pièces, donc un percussionniste vient sur le plateau et joue 11 pièces pour des sets différents de percussions, donc une fois des peaux, une fois des métaux, une fois des claviers, etc., etc. Mais en même temps, il se retrouve confronté avec d'autres choses qui ont été invitées à son insu, en quelque sorte, sur le plateau, et il se retrouve confronté à des textes, à des vidéos, à des situations qui le mettent en jeu lui-même, hors de son statut de musicien. Et donc tout ça va interférer. Et du coup, c'est aussi finalement une grande réflexion artistique sur l'interférence. Parce que les lieux différents sont en dehors les uns des autres, c'est pourquoi ce qui est en plusieurs lieux est en dehors de soi-même. Un interprète se retrouve dans des états différents, il est à la fois percussionniste, il est à la fois manipulateur du plateau, parce que c'est lui qui manipule toute la scénographie pendant le spectacle, il est à la fois comédien, à la fois en train de réagir avec ce qui se passe sur l'écran. Présent à soi-même, de manière externe. Ce qui implique... Toutes ces situations-là sont comme des statuts différents, mais incarnés par le même personnage. Contradiction. Endless Eleven, 11 sans fin, est un jeu comme ça labyrinthique. Ça donne l'idée d'un labyrinthe dont on ne sortira sans doute jamais. Puis aussi d'une déclinaison de la voyelle E, parce qu'il n'y a plus qu'une seule voyelle. Donc 11 étant deux fois le chiffre 1, une voyelle, enfin voilà, tout ça, ça fait un espèce de bouillonnement d'imaginaire qui est parti. Et ces choses-là, une fois qu'elles sont parties, vous ne les arrêtez plus. C'est très compliqué d'expliquer le spectacle. Vous dites que je joue au squash, je tue un mec, j'apprends l'allemand à un japonais, je prends une leçon de tabla. Enfin, c'est assez complexe, quoi. C'est tout sauf un solo. Seul en scène, ça c'est mon boulot, mais par contre, je ne suis pas si seul que ça. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. L'écriture globale du spectacle, c'est une partition. Donc, il contient une partition musicale et en même temps une partition scénique. Et il fallait trouver un contenant à tout ça, à toutes ces scènes-là, ces 11 scènes, une espèce de boîte, hein, et tout allait se passer là-dedans. Finalement, il n'y a pas d'espace prédéterminé et prédéfini. Tout l'intérieur de la boîte devait pouvoir contenir de l'image, quoi, quelque part. Et il faut ajouter aussi la contribution absolument exceptionnelle de Christophe Le Breton, qui lui a conçu en quelque sorte toute la machinerie, tout ce qui est sous la soute, tout le moteur informatique qui est vraiment très très complexe à mettre en œuvre. Il y a du temps réel, il y a du temps différent. Des choses qui sont générées à l'instant, des choses qui sont coupées en petits morceaux, des choses qui dépendent de l'action de l'interprète. Donc là, il y a vraiment d'un point de vue du moteur informatique de tout ça, un travail de développement énorme. La partie de squash, j'ai une partition de raquette. En gros, comme tout est avec le capteur, tous les coups sont comptés. J'ai un tempo différent, un nombre de coups différents, j'ai des options à prendre pour les directions, pour que ça soit plus vivant au niveau scénique, mais tout est écrit. Et il n'a pas changé un demi-soupir de ce qu'il a écrit. Helmut Coltrane. Thank you.
en cherchant des textes qui pouvaient rentrer dans, dans cette matrice, je me suis dit que forcément il fallait que l'auteur des textes ou les auteurs des textes soient des auteurs dont la lettre, dont l'initiale soit K. Donc alors le premier candidat était Kafka, mais là du coup ça nous mettait sur une piste littéraire que moi je n'envisageais pas, je voulais pas un récit. Le candidat suivant c'était Kant, alors lui au contraire c'était merveilleux parce que c'est le dernier auteur auquel vous penseriez pour un spectacle dramatique. Donc du coup je me suis dit ce spectacle pourrait aussi être une tentative de démontrer que Kant n'est pas un auteur dramatique. J'ai de bonnes chances de mon côté. Als ganz gewöhnliche Mitwohner unseres Hauses, teils als Quelle des Stolzes für unsere kleine Gemeinde. J'imagine la présence de Kant plutôt comme une sorte de matière, c'est une matière textuelle, une matière vocale, qui tente d'aller vers le public en traversant un obstacle qui est cette espèce de concert qu'on aurait interposé entre Kant et le public. Là aussi, il y a une sorte de situation complètement, d'une certaine façon, absurde. Donc tout ça, c'est une sorte de parcours d'obstacle que doivent traverser les textes pour arriver au public. Donc parfois, ils vont y arriver en ligne droite, mais parfois, ils seront un petit peu déviés par ce qui se passe aussi. Donc là aussi, il y a un jeu d'interférence. Une des grandes obsessions de Kant était d'être compris. Et sa grande frustration, c'était de ne pas l'être souvent. Et je retrouve, grâce à ces idées-là, en fait, la difficulté à être compris. En fait, que ce soit avec des camarades de squash où en fait, on se retrouve tout seul, que ce soit avec Takaya, le japonais, qui s'évertue à vouloir dire du Kant en allemand et il comprend rien. C'est le rapport à l'autre, la transmission, être compris, être incompris, rejeté. Et dans tous les numéros, j'essaye de faire ça avec un moment un peu seul et vraiment très intime, qui est celui de 11, là où je suis sur les blocs. Le cadre est très 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 strict. Et en même temps, la contrainte, ça vous permet de vous rendre libre. Ça paraît paradoxal, mais en fait, sans contrainte, en fait, on peut rien défoncer. Parce que l'idée, c'est de rentrer dans le cadre et puis d'éclater. Vous voyez, s'il n'y a pas de cadre, si vous éclatez quoi? On n'éclate rien. Et donc, qu'est-ce qu'on construit vraiment? Allen Subsumptionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muss die Vorstellung des Ersteren mit der Letzteren gleichartig sein. Das heißt, der Begriff muss dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumierenden Gegenstande vorgestellt wird. Denn das bedeutet eben der Ausdruck. Ein Gegenstand sei unter einem Begriff enthalten. So hat der empirische Begriff eines Tellers mit dem reinen geometrischen eines Zirkels Gleichartigkeit in dem Rundum, die in dem Ersteren gedacht wird, sich im Letzteren anschauen lässt. C'est une sorte de performance assez étonnante, de concentration et de qualité de présence de cet homme-là au milieu
qu'on n'identifie pas au départ comme un musicien, et qui va traverser des tas de formes d'expression très très variées, avec des vraies performances percussives, je dirais, musicales. C'est une des expériences les plus étranges que j'ai pu traverser.